voiture, mais bon. Ouais, bon, c'est vrai. Il m'a dit qu'il avait une Lamborghini, une... il habite dans la loco là-bas. Ouais, ça tire là-bas. Il m'a dit qu'il habite là-bas, donc. On va se dépêcher. T'as une G36 ? Non, j'ai une Acer. Acer. C'est quoi ça ? C'est la voiture du mec. C'est la voiture du parrain ? Ah, c'est ici, je pense. Ouais, c'est ici. Ok. Faut prévenir le SWAT hein, dès qu'on a une OP. Monsieur, c'est bien, tu m'avais appelé. Bon. Ouais, bien, c'est bien, c'est nous, monsieur, c'est nous, c'est nous, monsieur, c'est moi qui vous ai appelé. Bon, Rob, tu t'en occupes, je vais prévenir les poulets. Ouais, merci. Ok, les mafieux viennent d'abattre des flics. Ah, attendez, attendez, il y a mon collègue qui parle, attendez. Attendez, monsieur, il m'appelle par téléphone, attendez. Ouais, t'as dit quoi, là ? Il y a des mafieux qui ont abattu des flics. Mm-hmm. Ouais, ça... Donc, là, on tient leur parrain, là, mais il n'y a pas les mafieux. En fait, les mafieux sont pas là. Ils connaissent pas. Putain, non. C'est quoi ce parrain de merde ? Donc, on peut essayer de les appeler ? Ouais, on va les appeler, ouais. Et les faire venir, mais voilà. Ils me disent leur pseudo et ainsi. Leur pseudo, nom. Rob, c'est pas replay. Leur nom, leur prénom et leur nom. Et ainsi, tu me dis, je les appelle. Ok, bah c'est bon, là je suis à côté de toi, je coupe la radio. Ok. Bonjour monsieur. Ouais, voilà, c'est mon collègue. Pas de stress, c'est mon collègue. Ah, est-ce qu'on peut ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Votre homme, monsieur. Oui, votre homme. Oui, je vois, Bonjour, monsieur le parrain. Très bien. Bonjour. Voilà. Bonjour. C'est monsieur Don. Monsieur Don. Ah, Don. Je connaissais un Don Robino avant. oui. Donc, monsieur le parrain, avec votre accord, bien entendu, nous allons commencer à appeler la liste des mafieux, d'accord ? Dans notre annulaire. Oui, oui. Pas de problème. Donc, monsieur. Je sais pas, je vous vois pas dans la joue. Non, mais c'est pas grave. Je pensais tout à l'heure. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Pardon. Oulalalala. Bon, il va falloir que je passe mon petit coup de fil. Ok, alors. On va aller Miller du gaz, le commandant. Oui. Oui, monsieur. Le commandant. On vient de. On vient, comment dire, de. Enfin, de rencontrer le parrain. Il prévoit une descente chez le maire, d'accord. Okay. Donc on l'a convaincu de qu'il prenne ses conjoints, enfin qu'il prenne ses collègues d'abord. Ah, mais je vous vois, monsieur. Vous me voyez, vous êtes où? Ah, ok. Mais je suis plus loin. Mais vaut mieux qu'on se parle via téléphone, on risque de se faire. Vous me voyez, je suis au bout de la rue. Ouais. Sinon, on risque de nous repérer. Je pars. Christian. Donc il va faire l'attaque du maire. Ouais, le maire. Donc le SWAT faut qu'il reste en stand-by. Et dès qu'on peut, on va intervenir avant qu'ils interviennent sur le maire. Dès qu'ils sont tous regroupés, parce que j'ai vu qu'il y avait des mafieux qui avaient abattu des policiers, donc autant qu'on intervienne sur un même lieu, tous en même temps, d'accord ? Mais moi, je vais renforcer de mon côté la sécurité chez le maire. Au pire, on pourrait les attendre là-bas et juste devant, avant de prendre l'ascenseur, on les arrête. Je mets le SWAT par exemple dans la salle où il y a le juge, et dès qu'ils sont là, vous leur envoyez un message, et eux ils sortent vite fait de la salle du juge et ils les arrêtent. Ah non, mais ce qu'il faut faire, c'est que là on a la pièce, on a le code, on a tout ce qu'il faut. On a le code, c'est 1818, donc notez-le, 1818, le code, d'accord. Ok, 1818, ouais. 1818, je vous appelle, d'accord. Dès que je vous appelle, ça veut dire que c'est le top, okay. D'accord.
Donc essayez de rester autour avec vos unités, okay, okay. Restez à proximité et en stand-by. Près de où? Près de où? Près, en fait... Près de où encore? La maison se trouve derrière le Taco Bell. Vous allez voir, de toute façon c'est un peu fortifié devant, donc vous allez vite vous apercevoir que c'est la maison du parrain. D'accord? Ok, ça va. Je vais quand même renforcer la sécurité chez le maire au cas où. D'accord, y'a pas de soucis. Ok. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Bon. Reste en stand-by. Allez. À bientôt, monsieur. À bientôt. À bientôt. D'accord. Il va mettre des unités du côté du maire, au cas où. Et il y a le SWAT qui va rester en stand-by à proximité. Ok. Là, j'ai appelé les mafieux, là. Ils sont là. Voilà. Ils sont là. Donc, messieurs, venez. Venez, venez. On va ici, on va discuter ici. Ouais, bon. On va suivre le plan du parrain. Voilà, parfait. Et on pouvait voir, est-ce qu'on ne peut pas faire des gueules. Écoutez. Oh là 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 là. Y'a tout le monde là? Ouais. Y'a un Lucas Sanchez. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Ouais, ouais. Je suis un mafieux. Ah, ouais, c'est un mafieux. Ouais, c'est un mafieux. C'est quoi le mot de passe, non, je rigole? C'est quoi le mot de passe, non, je rigole? Votre passe, ma chien. Mais d'accord, y'a du monde. Voilà, y'a 20 mafieux. Ah bah ouais, c'est la famille. La famille, oh. Ah. Bon, j'ai déjà un truc à vous dire. Le maire est très pote avec moi. Donc il... comment dire, je lui ai glissé un billet de 10 000 euros et il a accepté d'être mon ami. Voilà, à condition avec quelques dollars d'argent. Donc il m'a donné gratuitement une licence d'armes. Bon, gratuitement, allez. Donc ceux qui veulent gratuitement des licences d'armes, voilà, je leur paye tranquille. Bon. Moi non plus, moi je n'ai pas de licence d'armes. Bon, alors monsieur le parrain, on vous écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Si le maire c'est un ami à vous, ce serait quoi d'aller le faire en prise d'otage quoi? Bon, on peut aller l'attaquer si vous voulez. Les flics en plus sont en train de lécher des couilles. On peut aller l'attaquer si vous voulez. On peut le corrompre, vous pouvez l'appeler. Lui dire de se mettre le plus facilement à découvert et comme ça il pourra récupérer un peu de sous aussi. Ouais ok. Il sera un maire corrompu en fait. Ok. Et c'est quoi encore le mot de passe? Attendez, vous m'avez demandé le mot de passe du... Attendez, du Kaipa, il est où le Kaipa? 18. Ah j'avais oublié. Il est là, c'est un bouton. Pas vu. Ouais, c'est un bouton là. 18. Wouah. Il fait quoi lui? Qu'est-ce que tu fais là? Descends. Ne fais pas le fou avec nous. Tu sors une arme, je te tire dessus, tu meurs. Bonjour. Oh. Ok. Tu te mets contre le mur maintenant, contre le mur. Il me regarde. Ouais là on est 4 mon gars. Contre le mur. Tu te retournes pas, main en évidence. Vous êtes des policiers? Non, mais pas des flics, t'as cru que t'es qui là? T'as cru que t'es qui? Au secours! Ta bouche. Ouais, bien. Tiens, regarde, tu es un flic, wesh. Regarde, tu es un flic. Regarde, je vais t'arrêter. Te retourne pas. Non, je déconne, d'accord, pour con. Bon, les gars, on va faire quoi? On va faire quoi de lui? Je sais pas. On l'enlève au pire. Pas moi, ça j'ai décidé les mecs. Vous l'enlevez? Ok, bon mettez-la dans la voiture alors. Vous êtes tous des racistes. Ta bouche, tu fermes ta bouche. Vous voulez que je vous paye pour pas que vous m'enlevez? Non, je veux pas de ton argent sale. Je vous paye 200 si vous voulez. Ramène ta gueule. Allez, tu te ramènes. Allez, avance. Allez. Salut, parrain. Hey, salut. Coucou le frère. Il se passe quoi? On est à l'arrière là. J'arrive, c'est de la mer. Allez, fais un peu, baraque. Voilà. J'arrive, c'est de la rivière. Allez, go. Allez, tout le monde a le feu derrière. On va dans une grosse maison, ok? Une maison mafieuse. Ouais, t'inquiète, je sais où aller. Oh, le parrain au calme. Ok, super. Oh, y'a un mec qui a un. Allez, monte, dépêche-toi. Oh putain. Y'a un mec, vas-y, tue-le. Désolé, j'ai pas réussi à monter.
Reste sorti, évite les balles. J'ai pas visé la gueule. Au secours, il kidnappe. Allez, faut riposter là. Je l'ai. Allez, montez. Gros, monte, on se barre. Oh my god, il va se trophée. Allez, il faut acheter de la bouffe. Allez. Non, mon pire. Non. Mais par contre, c'est pas bon. Non, quand même pas. Ah putain, on m'appelle. Voilà, non. Sors, dis que t'as fait un dictateur de ça. Ouais. Bonjour, excusez-moi, la capitale. Nous avons été indisponibles pendant un temps. L'opération est toujours dans la ou pas? Oui. Alors. Où ça? Vous voyez les HLM? Les HLM, c'est sur la gauche. Vous allez tout droit. C'est à un moment, vous avez un pont. Ouais. Vous avez un pont. Un pont qui traverse un fleuve. Ouais. Et juste à droite, il y a une maison, un entrepôt, on est juste là-dedans, d'accord? Ouais, une grosse scierie comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Brune. Oui, faites vite. On arrive. On va pas les contenir longtemps, d'accord? Ok, on arrive. Ok. Et il me faut de la bouffe, les gars. Mais il me faut de la bouffe. Là. Il faut de la bouffe, sinon je vais crever. Il faut une arme pour moi, pour que je puisse me défendre. Un médecin et un... Appelez des mecs. Oui. Appelez Jackie, attends, j'appelle le... Oh, je pute, toi. Garage, s'il vous plaît, ouvrez le garage. Non, faut qu'on reste là, les gars. Je vais aller chercher de la bouffe. Ok, nous, on reste ici. Ok, go. Ouais, la police, c'est les flics. Oh, y'a blavé, Jean, y'a blavé, gens, sortez. Il y en a trois. Ok, Rob, c'est le moment, t'es dehors. On va tous mourir. Ok, c'est bon. J'ai rien fait. Ouf. Je n'ai rien fait. Bouge pas, on va sécuriser la zone, police. Allez. Alors, dépêche. Allez, tu te dépêches. Tais-toi. Allez, tais-toi. Ah, contre le mur, dépêche-toi. Contre le mur. Allez. Ah. Ah, tu bouges pas, tu te retournes pas. Putain, t'as fait un de trop là. Voilà, on t'a enfin eu. Putain. Soirée. On va faire des printers légalement là. Hein. On va faire une prise d'otage. Ouais. On t'a vu descendre ces flics, on t'a vu. Bon, tu gardes bien les mains en évidence, d'accord? Tais-toi. Allez, c'est bon, avance. C'est là. Allez, tais-toi maintenant. Allez, go. C'était pas trop mal, hein, mais bon.